Bonjour et bienvenue les collecteurs. Aujourd'hui, je vous présente une pièce mythique, la pièce de 10 centimes Marianne, 1962. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la pièce de 10 centimes Marianne 1962. Cette pièce a un poids de 3 grammes. Un diamètre de 20 mm, le métal c'est du bronze aluminium, la tranche de cette monnaie est lisse. Les graveurs de cette monnaie sont pour l'avers la Griffoul et pour le revers Dieudonné. La pièce de 10 centimes 1962, que je vous présente plus précisément aujourd'hui, a été frappée à 29 millions et 100 000 exemplaires. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve le buste habillé de la République aux cheveux longs de profil gauche, les cheveux et les rubans du col au vent, coiffés d'un bonnet phrygien. Dans le champ, devant le cou, on retrouve la signature « La Griffoul ». Et de part et d'autre du portrait, on a les mots « République française ». Sur le revers, on a au centre la valeur « 10 centimes » en deux lignes. En dessous, on a le millésime 1962 encadré des différents. Le tout encadré par une branche de laurier et un épi de blé. À gauche de la branche de laurier, contre le listel, on a la signature A. Dieudonné. Cette pièce, qui a été frappée, je le rappelle, à 29 millions et 100 000 exemplaires, a une valeur surprenante de 20 euros en état sup, 90 euros en état splendide et 180 euros en état fleur de coin. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.